Hello, bienvenue dans la directe aujourd'hui. Nous sommes à la journée numéro 3. Nous sommes arrivés à la journée numéro 3 de cette formation gratuite. Je vais attendre que tout le monde puisse se connecter. Coucou Mélanie, coucou tout le monde. Bienvenue, bienvenue dans cette journée numéro 3 dans laquelle on va parler d'action alignée. Donc, déjà, merci beaucoup à tous. Coucou Sonia. Bienvenue, dès que vous arrivez, faites-moi un coucou, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne correctement. Moi, je commence à vous voir, vous rejoignez petit à petit, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Coucou Cécile, coucou Julien, coucou Mallory, bonsoir, bonsoir, bienvenue Marine. Hello Nadine. Bienvenue, alors, nous sommes arrivés à la journée numéro 3 de cette formation, nous avons passé 3 jours ensemble dans lesquels il y a eu plein de déclics, plein de transformations. J'ai reçu une quantité de mails incroyables. Déjà, merci beaucoup à tous pour votre participation. Je vais juste essayer d'enlever le son d'Instagram pour éviter qu'on nous dérange. Voilà, c'est bon, c'est fait. Hello tout le monde, coucou Fanélie, coucou Sarah. Hello, hello, bienvenue. Donc, déjà, hello, vous êtes nombreux, bienvenue. Déjà, merci, vraiment merci à tous pour vos mails, pour vos messages. Merci à tous qui sont en train de rejoindre l'école parce que vous êtes de plus en plus et c'est juste extraordinaire. Coucou Eva! C'est juste extraordinaire. Moi, ça a été 3 jours très très riches. J'ai vu que vous avez compris plein de choses, vous avez pris plein de notes, vous avez eu plein de résultats. Vous le savez, je vous l'ai dit tout le temps, ne laissez pas que mes formations gratuites s'arrêtent là, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous comprenez, vous écoutez et plus vous n'utilisez plus. Il faut de la répétition. Je vous expliquais que pour pouvoir créer des connexions neuronales, des nouvelles connexions neuronales, donc de commencer à penser de façon différente, de commencer à utiliser une nouvelle façon de fonctionner, il faut de la répétition. Donc il faut créer vraiment. Coucou, ma Corinne! Il faut créer des nouvelles connexions neuronales. C'est une chose que les élèves de mon école sont en train d'expérimenter. Comme vous, ont suivi mes formations gratuites et puis ont décidé de s'écouter et faire le pas, rejoindre l'école et maintenant sont en train vraiment d'échanger leur mindset, leur stratégie, la mise en place de leurs actions. Aujourd'hui, c'est exactement d'action qu'on va parler. On va parler de comment mettre en place des stratégies, comment mettre en place des actions qui vraiment peuvent vous aider à avoir les résultats. Vous le savez, vous l'avez compris, moi je fais un marketing de cœur. J'ai un master en marketing stratégie commerciale. J'ai de l'expérience en agence de communication. Cependant, j'ai pris ce qui était important et j'ai lâché le reste pour créer un marketing qui vraiment est aligné à l'énergie de chacun de mes clients. Coucou tout le monde! Stéphanie, cet après-midi, bienvenue Stéphanie dans l'école. Vous êtes vraiment nombreux et je suis vraiment contente que vous avez écouté votre cœur. Aujourd'hui, on va parler aussi de ça, de quelle typologie d'acheteur vous êtes, parce que la façon dont vous achetez, ça va vous donner beaucoup d'informations dont vos clients potentiels achètent. Pour ce qui me concerne, j'écoute énormément mon cœur lorsqu'il s'agit d'acheter un service ou un programme. Les peurs seront toujours là. Il y aura toujours une crainte, mais la façon dont aujourd'hui j'investis mon argent, c'est toujours par abondance et plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai construit une confiance tellement, tellement forte en moi et dans mes capacités de créer les résultats que quand j'ai raison avec la personne, je n'ai pas besoin plus d'informations que ça. J'ai besoin de savoir si son énergie et son programme me correspondent et puis je saute le pas parce que je me fais confiance dans ma capacité de créer les résultats. C'est moi la responsable. Toutes ces choses-là, on va les voir aujourd'hui. Avant de commencer, d'abord, j'aimerais vraiment coucou tout le monde, vous êtes nombreux. Coucou Sarah. J'aimerais vraiment prendre le temps de répondre à quelques questions sur l'école parce qu'on a reçu énormément de questions. Donc, je veux qu'il soit clair que l'école est une école pour entrepreneurs dans laquelle j'ai mis tout ce que j'ai appris dans ces années d'expérience, tout ce que j'ai appris dans mes formations avec mes coachs. J'ai mis tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise et la développer des 2000 euros en 2000 euros. Et comme ça, avancer. C'est comme ça que j'ai construit mon entreprise. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis arrivée à 55 000 euros, OK, par mois. Donc, vous allez trouver les vidéos qui vont vous aider et vous pouvez les suivre à votre rythme.
Bon, donc, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps là. Vous avez aussi les replays des appels des groupes. Donc, chaque semaine, on va se retrouver et je vais vous coacher. Vous allez venir avec votre modèle, votre croyance, vos actions, vos stratégies. Je prends le temps de vous coacher chaque semaine. En plus que ça, vous avez les groupes Facebook. Vous pouvez venir partager dans les groupes Facebook toutes vos croyances, toutes vos avancées, vos célébrations, bien évidemment. On est toujours dans cette énergie d'abondance. Et j'ai la possibilité de vous coacher là aussi. En plus que ça, cette fois et seulement jusqu'à demain à minuit, attention, je vais laisser le temps aux gens qui sont en replay. D'ailleurs, pour ceux qui sont en replay, mettez-nous un hashtag replay et prendre le temps de visionner la vidéo. Jusqu'à demain minuit, vous avez accès en bonus au bootcamp. Qu'est-ce que c'est le bootcamp? Le bootcamp, c'est un programme que je vais commencer à mi-septembre, dans lequel je vais vous accompagner pour créer un système qui va vous permettre d'atteindre les 20 000 euros par mois. Ok? Donc, je vais vous coacher pour ce qui concerne toutes les croyances que vous avez autour de ces 20 000 euros et aussi créer un système d'affaires qui vous permet de générer 20 000 euros. Parce que si vous êtes coach, thérapeute, prof de yoga, décorateur d'intérieur, etc., vous ne pouvez pas atteindre 20 000 euros en vendant seulement du coaching, au moins que vous travaillez comme des fous. Okay? Il nous faut créer un système qui nous permet d'arriver et je vais vous accompagner dans ça. Donc, c'est le bonus en vous inscrivant jusqu'à demain. Avec ça, jusqu'à demain, vous avez la possibilité de payer en 8 fois. Après ça, je ne l'enlève. Okay? Coucou Claudia, tout le monde. C'est vrai, je n'ai pas fini les cours, mais beaucoup de contenu de qualité. Coucou Aurélie. Aurélie, elle est une élève de mon école. Donc, effectivement, il y a beaucoup de contenu et plus j'avance et plus j'ai des résultats, plus je me transforme et je comprends des choses parce qu'attention, c'est un travail de transformation intérieure, vous le savez. Plus je partage avec vous, plus je tiens que vous ayez toutes les informations pour avancer. Donc, encore une fois, si vous avez des peurs, si vous avez des blocages, observez-les. Ne laissez pas que votre mental se mette entre vous et votre rêve. Moi, je suis très transparente et je remercie, ça je l'ai dit tout le temps, je remercie tellement que ma coach ne m'a pas laissée dans mes doutes parce que l'indécision, c'est une décision. Je la remercie de m'avoir coachée, d'avoir observé mes objections, les peurs de mon mental et m'avoir aidée à prendre la décision qui a transformé ma vie, celle d'investir dans sa formation. Quand j'ai pris sa formation et j'ai appris tout ce que j'ai appris sur le mindset, ma vie a changé. Pas seulement mon entreprise, mais ma vie entière. Donc, je suis là pour vous accompagner, pour vous montrer que vous pouvez le faire. Vous devez juste décider que vous allez le faire. Pour le reste, on va apprendre à transformer nos croyances. Aujourd'hui, on va parler d'action. Et j'aimerais que vous me dites en commentaire si vous avez des questions par rapport à l'école. Je suis là, on va répondre aujourd'hui, ok? Donc, on va parler d'action aujourd'hui. Et je veux que vous me dites en commentaire, selon vous, quelle est l'action qui est en train, que vous savez que vous devrez mettre en place, ou les actions que vous savez que vous devrez mettre en place pour réaliser votre grande vision, mais que vous ne mettez pas encore en place. C'est-à-dire, vous avez une grande vision. Si vous êtes là, c'est parce que vous tous, comme moi, vous avez un rêve, vous avez une vision d'entreprise et de vie. Et vous aimerez la réaliser. Alors la question est, vous savez aussi de quelles actions vous avez besoin pour pouvoir les faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous ne mettez pas en place ces actions? Qu'est-ce qui vous empêche de les faire? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place ces actions que vous savez peuvent tout transformer pour vous? Combien de temps faut-il consacrer en suivant ton école? Ça, c'est à chacun de les décider, Marine. C'est-à-dire, tu peux décider. J'ai par exemple Mathilde. Mathilde, c'est une élève de mon école qui tous les matins, elle regardait au moins 20 minutes de vidéo et faisait les exercices. Mathilde a créé 5 000 euros par mois. Aujourd'hui, elle est dans mon mastermind. Enfin, c'est à chacun de décider combien de temps il dédie. Moi, je vous conseille de dédier. Allez, au moins 1 heure à la formation et les restes à votre marketing. Parce que c'est bien d'apprendre à écouter ce que je vous enseigne, mais vous devez aussi les mettre en pratique pour pouvoir avoir les résultats. Donc, organisez-vous. En tout cas, dans mon école, il y a un modèle organisation-planification. Donc, je vous accompagne aussi à vous organiser afin de pouvoir avoir les résultats. Super. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marine?
Cette école est-elle que pour les coachs? Non, mon école est pour tous les entrepreneurs. En particulier, je parle aux entrepreneurs du bien-être parce que c'est les domaines dans lesquels je suis plus experte. J'adore ces domaines, j'adore ce milieu, le milieu du bien-être, mais c'est pour tous les entrepreneurs. Je lis vos messages. Ok, j'avais peur aussi, mais je me suis lancée dans les niveaux 3 en juillet, même si je n'étais qu'au stade des projets et je vais à mon rythme. Merci qu'il s'est inscrit en juillet. Avec plaisir, Marine. J'ai raté encore une fois la cible. Mais rendre plus. Alors, Nadine nous dit que selon elle, pour pouvoir avoir créer cette grande vision qu'elle a pour son entreprise, c'est rendre plus visible sur les réseaux sociaux pour fédérer une communauté. Alors, Nadine, j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te rendre plus visible? Quelle est ce qu'aujourd'hui, la chose qui te manque aujourd'hui pour pouvoir vraiment te rendre visible et attirer plus de clients? Sana aussi nous dit, me mettre en avant, vendre mes services. Ok, Sana, pareil. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ces actions-là? Ma fille qui me dit, oh, c'est ta copine Claudia. Claudia fait partie de la famille. Ah, mes clients d'amour. Ton école est-elle éligible aux formations financées? Non. Non, 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 elle n'est pas éligible. Peur de jugement de l'autre et un besoin que ça soit parfait qui freine beaucoup. Merci Mélanie. Donc, vous voyez, il y a une chose qui me fait mal au cœur à chaque fois que je la vois passer dans les réseaux sociaux. À chaque fois que les gens vous disent, il faut que tu changes stratégie, il faut que tu fasses plus d'action, il faut que tu fasses cette action-là. C'est faux. La seule chose que vous devez changer, ce n'est pas vos actions, mais les pensées qui sont liées à ces actions-là. La seule raison pour laquelle aujourd'hui vous n'êtes pas en train de mettre en place les actions qui vraiment vous apportent les résultats, c'est vos pensées par rapport à ces actions. Ah, Nadine qui nous dit, j'ai justement tendance à avoir toujours tout en petit. Comme vous voyez, encore une fois, je vous prouve aujourd'hui que ce n'est pas vos actions, c'est qu'un minimum parti que ce sont vos actions qui créent le résultat, parce que vos actions sont dirigées par vos émotions et vos émotions sont créées par vos pensées. Donc à chaque fois que vous êtes en train de penser quelle est l'action que je devrais mettre en place et que vous copiez un autre entrepreneur, concurrent, je ne crois pas à la concurrence, un collègue qui fait la même chose et vous les copiez, ou alors il y a quelqu'un d'autre qui fait une autre action, et vous dites, je devrais faire la même chose parce que lui, il est en train d'avoir plus de clients, donc je pourrais mettre en place la même chose. Ah, on dirait que les lives fonctionnent beaucoup, je me mets à faire des lives. Ok, je fais des podcasts, des newsletters. Ce n'est pas tout ça. Combien d'entre vous sont bloqués au stade qui ne savent pas que l'action vraiment peut créer des résultats? J'ai fait l'hypnose abondance de septembre de Claudia dans l'école aujourd'hui et c'est juste waouh, merci. Les filles, foncez, rien que cette hypnose, bon investissement, merci. L'hypnose, vous la trouvez, cette hypnose-là du mois de septembre, vous la trouvez dans le niveau 1 de mon académie, le niveau développement personnel, que vous inscrivez à l'école, vous avez un gratuit, c'est un bonus. C'est le grand bonus. En vous inscrivant à l'école, vous avez tous les niveaux 1 compris, donc un cours chaque mois différent. Et ce mois-ci, on est en train de travailler sur l'abondance et l'atteinte des objectifs. Et j'ai créé une hypnose qui, effectivement, ça vient d'autre part. J'étais très inspirée quand j'ai créé ça. Donc, voilà, Stéphanie nous dit, je suis perdue dans toutes ces actions. Moi, je ne sais plus quoi faire. Exactement. Pour pouvoir savoir quelles sont les actions que vous devez mettre en place, et aujourd'hui, je vais vous aider en vous posant les bonnes questions. Rappelez-vous qu'un bon coach a toujours les bonnes questions. Moi, je vous aide à créer votre raison profonde, à créer votre positionnement aujourd'hui. Et c'est le grand cadeau de ce live, en vous posant les bonnes questions, qui sont des questions de mindset. Mindset, on va planifier votre mental pour vous aider à créer des actions qui vraiment vont créer des résultats. Pourquoi? Parce qu'on va les créer en partant des bonnes émotions. Une des questions que je pose tout le temps à mes clients est « Si tu étais déjà la version de toi qui a déjà l'abondance, qui a déjà les résultats, les clients, tu ferais quoi ?» Et cette question est extrêmement puissante. Vous pouvez la noter si vous voulez. Pourquoi elle est puissante?
Parce que la version de nous qui a déjà tout, qui a accès à l'abondance, à la richesse, à l'amour, elle ne fait pas les actions par besoin. Elle ne fait pas des choses qu'elle n'aime pas. Elle ne fait que les choses qui lui apportent joie et plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà les résultats. À chaque fois que vous vous imposez de faire des actions parce que le marketeur vous a dit que c'est cette stratégie-là qui fonctionne, parce que vous pensez que comme ça, vous pourrez avoir plus de clients, vous vous désalignez de cette version de vous et de l'abondance. Et vous commencez à agir par manque. Mon travail est celui de vous aider à regarder vos prises de décision, de regarder de quelle énergie elles viennent, manque ou abondance, et de vous aider à vous réaligner en utilisant les bonnes croyances qui vont créer les bons résultats. Vos pensées créent vos résultats. Donc, oui, tes hypnoses sont très puissantes et tu as une voix magnifique et apaisante. Merci beaucoup. Je suis contente que vous avez aimé les hypnoses. J'ai fait des actions, mais pas assez de retours. Ok, super. Qu'est-ce que vous croyez lorsque vous êtes en train de mettre en place ces actions? Parce que si je suis en train de décider de faire un Facebook Live parce que le marketeur m'a dit que comme ça la vidéo fonctionne mieux, j'ai plus des résultats. Et j'ai fait le Facebook Live que pour cette raison-là. Mais que dans ma tête, je suis persuadée qu'il n'y a personne qui m'écoute. Je ne suis pas intéressante. Ça ne va pas fonctionner. Je dois convaincre les gens. Les gens n'ont pas l'argent. Avec quelle énergie je suis en train de faire ces actions? Et donc, bien évidemment, je ne vais pas avoir les résultats que je désire. Et regardez l'énergie que j'utilise. Je vous ai parlé hier de magnétisme. Comment devenir magnétique? C'est mes pensées qui guident mes émotions. Et donc, cette vibration-là vient du fait que Pascal, mon mental s'appelle Pascal pour tous ceux qui ne le savent pas, la voix primitive de mon cerveau, là, pendant que je vous parle, n'est pas présente. Parce que j'ai fait les nettoyages nécessaires que je vous enseigne dans mon école, dans la partie vente d'ailleurs, confiance en vous, confiance dans vos services, confiance dans vos clients potentiels. Donc je n'écoute pas toutes ces voix qui disent « les gens ne sont pas intéressés » ou « je ne vais pas avoir l'argent » ou « je dois les convaincre ». Moi je suis fortement persuadée que vous êtes là. Vous êtes super excité à découvrir plus sur mes services parce que vous ressentez que ça fonctionne. Vous les ressentez. Je suis persuadée que je peux vous aider, que je suis experte dans ce que je fais. Donc mes actions sont tellement dans la joie du partage, de l'amour, je suis tellement portée par ma mission que tout le reste n'est pas là. Je suis alignée. Mes actions sont alignées avec des émotions d'abondance qui sont créées par des pensées d'abondance. Et ça, vous les ressentez. Aujourd'hui, on va créer ensemble. Il y a mes parents qui sont en train d'écouter la télé à un volume extrêmement haut. Et pourtant, vous l'avez vu, j'étais en train de danser avec eux en préparant le live. Donc, aujourd'hui, on va faire ensemble votre positionnement. Et vous allez voir que les questions que je vais vous poser sont des questions que d'ailleurs vous trouvez toutes dans les livrets qu'il est dans l'école. J'ai créé un livret avec plein de questions pour vous préparer au lancement, vous préparer à votre positionnement, votre vision, votre mission, vos stratégies de vente, tout est là. Et aujourd'hui, on va en voir certaines à propos de votre positionnement. Je vais chercher parce que je les ai toutes notées. Je veux vraiment que vous commenciez à vous poser les bonnes questions. Alors. Cette partie-là, c'est la partie du branding, ok? Donc, c'est la partie dans laquelle on décide vraiment qu'est-ce qu'on fait, pour qui, comment. Et donc, la première question, notez-la. Comment est-ce que je peux aider? De quelle façon je peux servir? Je considère que pour pouvoir arriver comme ça aux gens, ce qui fait que je vends avec une facilité incroyable. Je vous ai parlé, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, récemment j'ai lancé mon mastermind. C'est un groupe de 5 femmes dans lesquelles on va travailler pour passer à un autre niveau. Ça m'a suffi de faire un live, quelques souris et un mail. Et j'ai rempli pas un mastermind, mais je suis en train d'en remplir 4. Je suis en train de terminer de remplir les 4e. Juste avec des lives, avec quelques posts et quelques stories et quelques mails. Mais en réalité,
Je l'ai fait tellement dans la joie, tellement dans l'authenticité, tellement heureuse de partager en live. Et je n'étais même pas prévu. J'ai pris le téléphone et j'ai partagé un retour d'expérience. Et les ventes se sont faites. Qu'est-ce qui fait que je vends comme ça? C'est que je suis vraie et authentique. Ce n'est pas vos codes couleurs, ce n'est pas votre site web, ce n'est pas les photos professionnelles, ce n'est pas ce que les gens croient de vous. C'est le fait que vous êtes poussé par votre cœur, par votre raison profonde, que vous vous faites confiance, que vous avez confiance en vous, dans vos services. C'est que vous êtes connecté à votre cœur. Et j'attire des clients qui me correspondent vraiment. J'attire des clients avec qui j'adore travailler. Et je vous souhaite d'avoir les mêmes résultats et le même partage. Je vous souhaite d'avoir des clients comme ça. Et j'ai des clients comme ça parce que j'attire ce que je vibre. C'est-à-dire, en tant qu'acheteur, moi, quand j'achète, je le fais pousser par une énergie de joie, d'excitation et de cœur. C'est la raison pour laquelle les personnes qui achètent mes programmes achètent avec excitation, joie et cœur. Ce sont des personnes avec qui ressentent mon énergie et qui vibrent la même énergie. Posez-vous la question, qui vous êtes en tant qu'acheteur? Donc, répondez à cette question, notez-la dans votre carnet, comment est-ce que je peux aider les autres? Pour ce qui me concerne, ma façon d'aider les autres, c'est de les aider à regarder dans leurs pensées limitantes, dans leurs croyances, les aider à transformer leur mindset. J'ai la capacité de mettre en lumière ce qui bloque pour qu'ils puissent en prendre conscience et les transformer. Je peux les aider à travers les stratégies que je connais, mais des stratégies qui sont alignées à chacun d'entre eux, pas imposées parce qu'il faut faire comme ça. Chacun est différent. Et je sais les aider à trouver les bonnes stratégies de cœur adaptées à chacun. Prochaine question. Qu'est-ce qui se passe pour les gens s'ils ne rentrent pas en contact avec votre message? Cette question est puissante. Qu'est-ce qui se passe pour les gens s'ils n'ont pas l'occasion de vous connaître et de rentrer en contact avec votre message? Si une personne ne rentre pas en contact avec mon message parce que moi j'ai peur de me montrer, parce que moi j'ai peur de partager, parce que moi je ne vais pas me rendre visible, c'est dommage parce que je sais que j'ai la capacité de l'aider à transformer sa vie. Toute sa vie, parce que je travaille avec les pensées et les pensées créent notre réalité. Donc c'est dommage si mon ego et mes peurs prennent les dessus, parce que cette personne reste inaidée seulement parce que je n'ai pas su faire ce nettoyage des croyances en moi, alors qu'il y a des personnes qui ont besoin de moi, de mon message, de ma façon d'être, de ma personnalité, de mon énergie. Qu'est-ce qui se passe pour les gens s'ils ne vous connaissent pas? Prochaine question. Qui sont les personnes qui ont besoin de votre aide? Qui sont les personnes que vous pouvez aider? Quelle est leur problématique? Attention, là on est vraiment en train de construire votre positionnement de marque, votre branding. Pour ce qui me concerne, les personnes que je peux aider sont les entrepreneurs du bien-être, mais aussi toutes les personnes qui désirent créer la vie de leurs rêves. Leur problématique est qu'ils ne savent pas comment faire, qu'ils se sentent bloqués, qui n'arrivent pas à changer leurs pensées, qui n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent et qui perdent énormément de temps à trouver des solutions qui ne sont pas les vraies solutions. Parce qu'à chaque fois que vous cherchez des solutions en changeant vos stratégies, en écoutant des marketeurs qui vous font faire des stratégies, en essayant d'être plus comme ça, moins comme l'autre, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vos codes couleurs, ce n'est pas vos photos, ce n'est pas la vidéo de qualité. C'est ce que vous croyez à propos de vous, de vos services et de vos clients potentiels, encore une fois. C'est ce que vous croyez à propos de votre capacité de créer la vie de vos rêves. Mon rôle, c'est de les aider à faire ça. Leur problématique, c'est qu'ils n'ont pas encore pris conscience de ça et qu'ils ne savent pas comment les changer. Le monde a besoin de vous et vous pouvez les aider exactement comme vous êtes. Donc, c'est à vous de vous donner le droit et de leur donner l'opportunité de vous rencontrer. Demandez-vous pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi cette voie-là? Pourquoi cette mission-là?
Moi, je suis ici parce que je suis bien plus qu'un business et life coach. Je suis l'exemple de ce qui est possible. Je le fais pour moi. J'aide les gens aujourd'hui à faire pareil, à créer une vie dont je suis heureuse, une vie extraordinaire, une vie dans la magie. Ma vie est magique parce que j'ai choisi de voir la magie et de la créer. Je suis ici pour défaire ce qui vous empêche de briller, pour rêver encore plus grand. Donc vous, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Coucou tout le monde! Ok? Alors vous, pourquoi vous êtes ici? Cette question va vous permettre de vous reconnecter à votre raison profonde. Nadine, tu qui disais que parfois tu as la tendance à faire de ta mission beaucoup plus petite, ta vision beaucoup plus petite, tu peux rêver en grand. Alors pose-toi cette question. Quelle est ta raison profonde? Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous vous perdez dans toute cette histoire de « il faut que je fasse cette action pour réussir, il faut que je mette en place cette stratégie pour réussir », vous vous déconnectez. Je viens de faire un coaching sous mon programme de One sur ça. Vous vous déconnectez de ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de faire ce que vous faites. À chaque fois que vous êtes pris dans « Ah, je dois faire le post, le Facebook live, qu'est-ce que je dois dire, comment est-ce que je peux convaincre les gens ?» Vous vous déconnectez de votre raison profonde. La version de vous qui a déjà les résultats, la version de vous qui a déjà la vie de ses rêves, elle est poussée par une énergie d'abondance parce qu'elle a déjà l'abondance. Elle ne fait que les choses avec plaisir, avec joie, avec excitation, avec amusement. Donc, quand vous vous prenez la tête avec toutes ces stratégies, vous vous déconnectez de ça. Donc, vos résultats vibrent le manque, vous créez du manque. Notez cette autre question. Prêt? Pourquoi vous êtes payé? Moi, je suis persuadée que je suis grandement récompensée pour tout ce que j'apporte. Pour tout ce que je donne, l'univers me récompense. L'univers, Dieu, appelez comme vous voulez. Je suis récompensée et je suis payée parce que j'aide les gens à créer plus de temps, plus d'argent, plus d'amour dans leur vie, plus d'épanouissement. Comment? À travers les stratégies, à travers les mindsets, à travers des actions qui sont vraiment alignées, en transformant leur subconscient. Prochaine question. Je suis d'accord avec toi, Claudia. Merci pour ces coachings de tout à l'heure. Ah, Alex, je suis heureuse que tu aies débloqué. Ben justement, on parlait dans ces coachings du manque de motivation dû au fait que parfois, on se bloque sur des choses comme « il faut que je sois à l'auteur, il faut que la vidéo soit bien faite, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça. » Quand on a toutes ces pensées-là, on sait désaligne de ce qui compte vraiment. Donc, il faut quelqu'un qui parfois a la capacité de prendre le recul et de voir que vous êtes rentré là-dedans et de vous dire « Attends une seconde, qu'est-ce que tu es en train de croire vrai par rapport à tout ça ?» Parce que ce qui compte n'est pas ça. Reviens à ce qui est l'essentiel. Quel est le pire qui puisse passer si ta vidéo n'est pas parfaite? Quel est le pire qui puisse se passer si les gens vont te juger? Le pire qui puisse se passer, c'est de vivre une émotion. Et vous êtes en mesure de vivre n'importe quelle émotion, je vous l'assure. C'est le travail que je vous enseigne. Être capable de vivre n'importe quelle émotion vous donne une confiance en vous extrême, hyper puissante. Parce qu'il n'y a rien qui puisse vous arriver que vous ne saurez gérer. Parce qu'une fois que vous avez vécu l'émotion, vous savez aussi aller chercher les pensées qui l'ont créée et les transformer. Et décider quoi croire vrai. Et retrouver la motivation, et retrouver la joie, et retrouver la vraie raison pour laquelle vous avez choisi de faire ce travail-là. Ah, merci, vous êtes en train de me partager dans vos stories, je les vois passer. Donc, c'est extrêmement puissant ça. Pourquoi vous êtes payé? Il y a un équilibre, ok? Prochaine question. Vous voyez tout le travail que je suis en train de vous faire faire et l'énergie que ce travail produit? Cette énergie-là qui vous reconnecte à ce qui fonctionne vraiment vous permet de mettre en place des actions qui vous amènent à des vrais résultats. Mais si vous ne faites pas ça et vous le faites parce qu'il faut faire comme ça, que l'autre vous a dit de faire comme ça, que votre collègue il a fait comme ça, il a les résultats, alors peut-être que vous aussi, ce n'est pas ça. Ok? Qu'est-ce qui vous rend, prochaine question, qu'est-ce qui vous rend qualifié pour faire cela? Pour ce qui me concerne, à part toute l'expérience de vie que j'ai,
C'est le fait que j'ai un master en marketing, communication stratégique, commerciale. C'est le fait que j'ai de l'expérience en agence de communication. C'est le fait que ça fait 2 ans et demi que je fais ça et aujourd'hui, je gagne 55 000 euros par mois. Ça veut dire que ça fonctionne ce que j'enseigne. Mais aller plus loin de la simple qualification par formation et certificat. Aller plus loin que ça. Parce que ce qui vous rend qualifié à faire ça, c'est toute l'expérience de vie que vous avez. C'est que la problématique de vos possibles clients, vous l'avez vécu et vous l'avez traversé, vous la connaissez très bien et vous savez qu'est-ce qui fonctionne pour pouvoir avoir des vrais résultats. Allez plus loin d'un simple papier qui dit « Ah, maintenant, vous êtes apte à faire ça parce que monsieur l'a dit. » Vous pouvez être coach, thérapeute, pas seulement parce que vous avez un certificat, mais parce que vous avez vécu quelque chose qui peut vraiment aider quelqu'un. Ok? On avance avec nos questions. En quoi votre travail sert le monde? L'univers veut que vous soyez là à faire ce que vous avez à faire avec le cœur parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous. En quoi votre travail sert le monde? Pour ce qui me concerne, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la Business School, j'avais une grande vision pour mon entreprise. Arrivé à un certain moment, je ne pouvais plus prendre des personnes en individuel. J'avais tellement de demandes, j'avais une liste d'attente que je ne pouvais plus. Mais je savais que je voulais aider un plus grand nombre de personnes. Comment je pouvais faire? J'ai créé des stratégies qui m'ont permis de créer ce système. Une de ces stratégies, c'est décider de créer la Business School. Quand j'ai créé la Business School, pour vous raconter toute la vérité, le premier lancement, j'ai eu 5 inscrits. Ok? Bon, j'ai regardé mes croyances. À ce moment-là, c'est le moment dans lequel j'ai pris cette formation en mindset et je me suis formée au mindset. Et ça changeait tout pour moi. J'ai utilisé exactement les mêmes stratégies pour le lancement d'après. Et là, j'ai fait plus de 15 ventes, si je ne me trompe pas. Les stratégies étaient les mêmes. Les actions étaient les mêmes. Ce qui avait changé, c'était ici, c'était mes pensées par rapport à mes stratégies et ma business school. Ma croyance à cette époque-là, c'était les gens veulent travailler qu'en individuel avec moi. Les gens ne veulent pas être dans mes groupes, les gens veulent travailler qu'en individuel. Et je n'arrivais pas à la changer, cette croyance. Quand j'ai fait cette formation et j'ai appris à transformer mes croyances, j'ai pu la transformer. Et les gens ont commencé à s'inscrire dans ma business school. Je n'ai pas changé mes actions. Je n'ai pas changé mes stratégies, j'ai changé mes pensées. Donc, l'école, je l'ai créée parce que je voulais aider un plus grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, il y a plus de 120, je crois, inscrits. Et ce sont des personnes qui sont vraiment en train d'avoir les résultats, lorsqu'ils font vraiment le travail. Vous les avez vus passer les témoignages, d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont passées de 0 à 2 000 euros dans un seul mois. Ils se sont fait confiance et se sont dit « Ce que Claudia dit résonne en moi. Cette énergie me plaît, je me fais confiance parce que je sais que je vais réussir. Peut-être que je ne sais pas exactement quand, mais je sais que je vais réussir. Et je vais me donner tous les moyens pour le faire. » Ils ont déjà remboursé l'investissement. Est-ce que vous avez la certitude qu'il y a des gens, des personnes qui sont prêtes à vous payer pour vos services? Parce qu'il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de savoir qu'il y a déjà des gens qui sont super excités à travailler avec vous, poussés par la joie, pas seulement par un besoin. À ce moment-là, quand vous commencez à communiquer de cette façon-là, vous rentrez vraiment en connexion avec les gens parce que moi, je vous parle aujourd'hui comme je parle à mes clients qui me payent déjà. Je vous parle comme je parle avec ma maman qui est en train de se lancer dans une autre formation pour pouvoir aider les gens et qui a vos mêmes peurs, les peurs que j'avais moi quand j'ai débuté. Et ça m'émue de la voir comme ça, croire en elle. Je vous partage exactement avec la même énergie, le même cœur, le même amour. Parce qu'il n'y a rien qui me tient à cœur plus que voir quelqu'un qui prend en main sa vie et dit « Je veux vivre la vie de mes rêves, je vais m'en donner les moyens, je vais croire en moi, même si j'ai peur, vraiment peur, mais je vais le faire. » Moi, je suis là en mode « Yeah, on va le faire !»« Allez, comment on va faire ?»« On va
faire ça, 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 après on va mettre en place ça, et puis on fait ça. C'est possible. Parce que je l'ai fait pour moi. Je sais que c'est possible. Je fais des choses pour moi-même et je fais des choses pour mes clients qui vont bien au-delà de ce que je ne pouvais même pas imaginer. Ça fait que 2 ans et demi et j'ai gagné déjà 55 000 euros. J'ai créé des programmes dans lesquels on se donne tellement d'amour. Mes clients dans la business school qui me disent « Claudia, je ne te connais pas, mais je t'aime. » Corinne, c'était là, c'est une dédicace. Au Claire qui me dit la même chose. Elsa, enfin... Ça, ça vaut même plus que tout l'argent du monde, de voir mes clients heureux qui créent la vie de leurs rêves et de pouvoir avoir la chance de rencontrer des gens si merveilleux. Je vous souhaite la même chose, mais pour pouvoir en arriver là, vous avez besoin d'enlever toutes les couches de votre ego, toutes les peurs. Ça vous demande de vous rendre vulnérable et c'est quelque chose dans laquelle je travaille encore, mais de plus en plus. Et d'être authentique avec les gens, parce que les gens veulent vous, votre vraie énergie, ils ne veulent pas la stratégie parfaite, la vidéo parfaite, les sites web parfaits, les photos. Je vous rassure, je suis arrivée à gagner 10 000 euros par mois sans avoir une charte graphique, sans avoir les photos professionnelles, sans avoir quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a fait ça? J'étais vraie, et les gens l'auraient senti. Vous pouvez faire la même chose. Je vais lire vos commentaires et je vais prendre le temps de vous coacher. J'adore Eleonore. J'espère que vous avez noté toutes ces questions-là parce que ces questions font partie du livret que je vais vous donner dans l'école pour créer votre positionnement, comprendre mieux votre cible, comprendre mieux votre raison profonde, votre vision, votre mission. Il y a plein de questions comme ça à vous poser lorsque vous faites un lancement, lorsque vous faites des ventes, lorsque vous avez un appel découvert. Yeah, trop heureuse d'être là en direct, merci. Yeah, Marine! Ok? Donc, ça, c'est créer des actions qui fonctionnent vraiment. C'est observer vos prises de décision. Observer quelles sont les pensées qui sont en train de créer les émotions qui vont diriger vos actions. Ok, parce que je peux vous donner la meilleure stratégie du monde, la plus puissante, celle qui réussit le mieux. Mais si vous n'avez pas le bon mindset, cette stratégie sera nulle. Elle ne servira à rien. Ok? Penses-tu avoir suffisamment de temps pour mettre en place une stratégie pour chacun des membres de tes groupes de travail? Jusqu'à présent, oui. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu le temps de répondre aux questions de chacun. Maintenant, je vais ajouter un appel par semaine parce qu'avant, je faisais un appel tous les 15 jours. Il y a aussi les groupes Facebook. Rappelle-toi que c'est très simple. Il s'agit de prendre une décision. Votre mental aime tellement rester dans l'indécision, mais il s'agit de faire un choix. Tout ce qui compte, c'est les pensées qui dirigent cette prise de décision. C'est les pensées qui sont liées à cette décision. Abondance ou peur ? Abondance ou manque? Je vais me connecter à toi et voir quelle est la stratégie qui fonctionne mieux pour toi, mais parce que c'est toi qui me l'as dit. Et je vais te faire arriver à mon réponse parce qu'on va voir quelle est la chose, quelle est la version de toi, qui a déjà les résultats à mettre en place. C'est-à-dire ce qui t'amuse le plus, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait plaisir. Et dès là, on crée toute une structure. C'est facile en vrai, mais notre mental, il aime tellement compliquer les choses. Il s'agit de prendre une décision, tout dans votre vie. Moi, je me challenge dans mon quotidien à prendre des décisions le plus vite possible. Parce qu'en réalité, rester là à réfléchir, est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne fais pas? Par exemple, quand on investit dans un programme, on se pose plein de questions. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Mais plus on reste dans ça, plus on donne espace à notre mental. La réponse dedans, on l'a déjà. On sait déjà si on veut ou pas, s'il peut nous servir ou pas. Et rester là à écouter notre mental qui fait des « Ah non, oui, mais si, mais moi », quel est le pire qui peut vous arriver? Parce que ce que votre mental croit être le pire, ce n'est pas le vrai pire. Le pire, ce n'est pas d'investir de l'argent et vous être donné tout le droit et les moyens pour pouvoir réussir. Le pire, c'est de vous réveiller un jour et de vous dire « Mince, je n'ai pas vécu la vie que je voulais, et si j'avais quand même essayé ?» Parce que vous avez la capacité de créer l'argent. L'argent est créé par vos pensées. L'argent est créé par la valeur.
que c'est quoi cette valeur? La valeur, elle est créée par vos pensées. Le reste est vous faire confiance, croire en vous que vous pouvez créer l'argent. Alors, quel est le pire? Essayer, c'est donner tous les moyens de réussir en se disant « je peux le faire » ou alors ne pas le faire par peur et le regretter un jour. Merci, j'ai tout noté, mes pensées sont « je suis perdue, je ne vois pas ce que je peux faire, ce que je peux proposer, je ne me sens pas légitime et si les gens ne viennent pas à moi, si ça ne me plaît pas, bref, il y en a beaucoup. » Ok, Maud, prends une pensée à la fois et fais le modèle comme je vous ai appris dans la première journée, ok? On en prend une. Imaginons que celle qui est plus lourde pour toi est « je ne me sens pas légitime ». C'est souvent celle qui est un peu plus forte, ok? Donc, dis-moi, qu'est-ce que cette pensée est en train de créer pour toi? Quand tu ne te sens pas légitime, l'émotion que tu ressens, c'est peut-être peur, anxiété, stress. Dans tes actions, très probablement, tu ne vas pas mettre en place des actions. Résultat, zéro. Or, quelle autre chose peut être vraie? Fais-moi une liste, Maud, de toutes les raisons pour lesquelles tu es légitime et il y a des personnes qui ont besoin de toi pour comme tu es aujourd'hui, au niveau que tu es aujourd'hui, avec l'expertise que tu as aujourd'hui. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes là et vous avez tous ces gens-là qui ont besoin de vous. Mais si vous, vous ne croyez pas légitime, vous ne pouvez pas les aider. Demain, vous serez là et vous aiderez tous ces gens-là. Alors, dis-moi, Maud, fais cette liste. Pourquoi tu es légitime? Pourquoi tu peux aider les gens aujourd'hui? Tu vas voir tout de suite dans tes émotions comment ça change et les actions que tu vas avoir envie de mettre en place. Ok? Alors, lorsque j'ai dit à mon mari que je voulais vendre ma première formation pour 10, il était choqué. Il pensait que je peux demander plus. Ça m'a étonnée et je me suis dit qu'il doit y avoir quelque chose qui me bloque. Ok Sarah, si tu savais qu'est-ce que c'est cette chose qui te bloque, ça serait quoi? Si tu le savais, ça doit être quoi? Dis-moi qu'est-ce que ça pourrait être. Le pire, c'est de se sentir ridicule. Non, Eleonore. Oui, voilà, donc c'est pas grave, exactement. C'est pas ça le pire. Au pire, vous vous sentez ridicule. Au pire, les gens vont vous juger. Mais le jugement des autres, ça vous donne beaucoup plus d'informations sur qui sont eux, ce qui vous êtes vous. Rappelez-vous que chacun vit dans sa réalité. Aujourd'hui, chacun d'entre vous est en train de se créer une idée de qui je suis, moi, à travers ses propres filtres, ses propres lunettes. Mais ça ne veut rien dire à propos de moi. Moi, je sais qui je suis. Puis chacun d'entre vous s'est fait son interprétation de moi. Et c'est parfait. Mais ça ne me concerne pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que je peux vous aider. Et peu importe l'idée que se font de moi les autres. Il y a des personnes qui me connaissent, qui me regardent, que je les vois, de mon autre vie, l'âme d'avant, c'est ok. S'ils ont leur avis, c'est complètement ok. Ça ne vient rien dire à propos de moi. Merci beaucoup, Claudia. C'est ce que je vais faire. Yes, Maud. Je vais lire un peu aussi Instagram. Beaucoup, beaucoup de messages. Suite au live d'hier, j'ai pris conscience que la peur du mental, devoir trop travailler, me sentir submergée par les personnes accompagnées, au détriment de ma famille et mon repos. Tellement important, Marine. Tu peux avoir les résultats en travaillant. Je travaille, les gens, 3-4 heures par jour et je gagne 55 000 euros. C'est possible. Je viens de vous dire que j'ai rempli 4 masterminds en faisant quelques stories et quelques posts. Je suis arrivée là en construisant les bonnes pensées qui m'ont créé ça, cette énergie magnétique, qui ont créé la conviction que les gens adorent travailler avec moi. Et puisque j'adore partager avec eux, bah, il n'est pas que créer envie de travailler ensemble. Les gens ressentent cette joie, ils veulent de ça. Les gens ont besoin d'amour. Êtes-vous en train de leur donner amour? Mais pour pouvoir leur donner cet amour, d'abord vous devez vous aimer à vous-même. Vous devez vous aimer assez. Moi je suis persuadée qu'on s'aime toujours. Cette histoire qu'on ne s'aime pas, ça n'existe pas. Je veux juste dire, aimez chaque partie de vous, même celle qui a peur. Même votre mental. Comment vous pouvez penser attirer quelqu'un si vous êtes dans les rejets d'une partie de vous? Plus vous acceptez toutes les parties de vous, votre ego, votre mental, vos peurs, le fait que vous êtes insécure, le fait que parfois vous êtes dans la colère, parfois vous n'êtes pas top, parfois vous n'avez pas la meilleure énergie. Plus vous êtes dans cette acceptation, plus les gens vont les ressentir et vont comprendre que vous allez les accepter pour comme ils sont vraiment.
Plus vous acceptez chaque partie de vous, plus les gens les ressentent, plus ils sont aimés. Comment vous pouvez attirer quelqu'un si vous êtes vous les premiers à vous rejeter? Merci Claudia, tu as répondu à ma question indirectement, même si tu ne l'avais pas vue. Voilà Monique, hein, c'est fait. Cela me connecte vraiment à l'amour de moi-même et c'est un sentiment qui émane une belle volonté pour actionner. En fait, je vous laisse remarquer une chose. Quand je vous parle d'abondance, quand je vous transmets ces émotions que je suis en train de vous transmettre, c'est une émotion en vrai. C'est tout revient à une seule émotion. C'est quoi? C'est quoi que vous ressentez là? Parce que je suis bougée, poussée par une seule émotion que vous ressentez. Et vous êtes en train de la vivre avec moi. C'est quoi? L'effet par envie, par joie, par continuer à évoluer, grandir, être coaché pour évoluer. Yes, exactement. Tellement d'accord avec toi, tout est outil. Tout est outil. C'est vous qui vous choisissez quoi en faire. La seule émotion que je suis en train de vraiment utiliser et à laquelle je suis connectée dans, à chaque fois que l'amour. Exactement. Exactement. Et vous le ressentez? J'avais la même jusqu'à Claudia. Ton énergie fera la différence et tu auras assurément une clientèle qui entrera en résonance avec toi, je t'assure. Manuela, merci! Manuela est dans ma business school, comme je disais. L'amour, l'enthousiasme, l'amour. Yeah, l'amour! Ah, j'aime voir amour partout. Ah, et merci aussi pour le cœur. C'est beau! La paix, le calme, sont toutes la paix, le calme, l'enthousiasme, sont toutes des émotions qui sont dérivées de l'amour. Je suis poussée par ça, l'amour et la joie. Je suis poussée par ça, c'est ce qui m'intéresse. Je le vibre, donc vous le ressentez. Vos clients ont besoin de ça. Donnez-leur accès à ça. Plus vous vibrez ça, et pour vibrer ça, vous devez le pratiquer. Dans le sens que c'est un choix. Parce que votre mental, il viendra vous dire des choses. Il viendra vous dire, ah, tu n'es pas assez, ah, tu ne mérites pas, tu ne peux pas y arriver. Ne pensez pas que je ne les ai plus, certains de ces croyances. Ils sont encore là, parfois, à me faire, mais je les reconnais. C'est la partie primitive de mon cerveau. Je la reconnais, je lui donne de l'amour en l'écoutant, et puis je transforme et j'ai choisi quoi croire vrai pour moi. Je vous ai fait un post aujourd'hui où je parle de la magie. Pour moi, la magie est vraiment là. Quand j'ai commencé mon entreprise, j'aurais aimé savoir les choses que je suis en train de vous dire. De comprendre à quel point je suis digne, à quel point l'abondance est mon droit de naissance et je n'ai rien à faire pour cela. Je mérite l'abondance. J'ai la foi que ce que je suis en train de faire, je vais être récompensée pour tout ce que je suis en train d'apporter. Si j'avais su ça avant. Coucou Carmen! Bonjour Claudia, je n'arrive pas à me lancer à 100%. J'ai choisi toujours des jobs salariés en parallèle, mais je démissionne car je me sens mal. Je tourne en rond. Quel est le pire que tu puisses ressentir? Imagine que tu vas te lancer. Là, ton mental est en train de te prévenir, de te faire ressentir une émotion qu'il ne veut pas ressentir. Parce que si je me lance et que ça n'est plus... Ah! Ça ne fonctionne plus sur Facebook! Bizarre. Si tu te lances et que ça ne va pas comme tu voulais, quelle est l'émotion que tu pourrais ressentir? Parce que ton mental est en train de t'empêcher de faire l'action que tu veux vraiment faire pour t'éviter de vivre une émotion qui pourrait te faire souffrir selon lui. Lui, ton mental, il considère que ça c'est le pire qui puisse te passer. Quel est le vrai pire? Rappelle-toi que tu peux vivre toutes les émotions. Tu peux vivre toutes les émotions du monde dans lequel tu apprends à le faire. Il s'agit de ressentir une émotion et d'aller transformer la pensée qui est en train de créer cette émotion-là. Ah, j'espère que Facebook se reprend, mais je n'ai pas l'impression. Je vais me remettre. Entre-temps, posez-moi vos questions sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Donc,
laisser en train de lire leur message. Je vais m'y remettre. Donc, on va conclure. Ah, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Heureusement, il y a Instagram. Donc, on va conclure le live d'aujourd'hui sur ces belles notes parce que c'était vraiment beau de partager avec vous autour de ça. Je vous rappelle, je sais faire beaucoup des choses et je ne sais pas dans quoi me lancer, du coup, je ne fais rien. Et si tu pouvais tout essayer et tout était juste? Tu n'es pas un arbre. Qu'est-ce qui se passe si tu te lances dans une chose et après, ce n'était pas celle que tu voulais? Encore une fois, ton mental est en train de te dire et en train de t'éviter de faire ce que tu veux vraiment faire parce que tu pourrais ressentir une émotion. Il est en train de te dire, ne va pas par là parce que tu pourrais ressentir cette émotion-là. C'est quoi cette émotion que tu redoutes, que tu ne veux pas ressentir? Décidément, Facebook ne va pas fonctionner. Oui, j'ai mon assistante Anne-Claire, heureusement qu'elle est là parce que sinon, je ne saurais pas comment faire sans elle. Donc, comme je disais, je vais prendre encore peut-être 5 minutes pour vous dire que vous rappelez, Facebook est bien planté. Oui, je sais, Nadine. Écoute, c'est comme ça. Je prends le temps quand même pour vous dire que sur cette belle note, je suis vraiment contente d'avoir pu partager autant avec vous, de vous avoir donné, fait comprendre. Je sais que vous avez eu beaucoup de déclics. Mana, oui, je sais. Maintenant, j'aimerais vous dire, la difficulté pour moi, c'est de fixer un tarif juste. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous enseigne dans l'école. Comment fixer vos prix, comment fixer vos prix, comment faire tout ça. J'ai envie de vous dire, maintenant, si vous voulez rejoindre l'école, rappelez-vous, jusqu'à demain minuit, il y a le bonus bootcamp. Le bootcamp, c'est le programme dans lequel je vais vous coacher pour créer un système qui va vous permettre d'arriver aux 20 000 euros. Et pour tous les inscrits à l'école, c'est gratuit, c'est-à-dire ça va être un bonus. L'autre grand bonus, c'est que vous avez accès à mon programme, le niveau 1 de One, c'est-à-dire le programme développement personnel. Vous trouvez toutes les hypnoses. Les cours par mois, chaque cours par mois, par exemple celui de ce mois-ci, c'est sur l'abondance. Le mois dernier, c'était sur la relation au corps. Le mois d'avant, c'était sur l'identité, la confiance en soi, l'argent. Enfin, on travaille plein de choses dans les niveaux 1 aussi, donc ça va être un travail vraiment complet. Vous avez tout ça en vous inscrivant à l'école. Vous avez vu, mes élèves, ils étaient là. Vous avez vu à quel point, moi je suis juste ravie de ce que j'ai créé, vraiment. Je vous ai dit, je l'ai tout refait récemment. C'est-à-dire que j'ai réécouté mes propres vidéos et ce mois-ci, je sais que c'est ça qui m'a aidé à passer de 40 000 à 55 000. J'adore ce que j'ai créé et j'adore de voir tous les résultats. Maintenant, jusqu'à minuit, vous avez la possibilité d'y accéder avec les bonus et avec le paiement à 8 fois. Après, j'enlève tout ça. Super tes lives, merci pour ta magnifique énergie. Regardez les résultats que vous avez eus avec ces 3 jours ensemble. Vous savez très bien qu'avec l'école, on va encore plus loin. Pour moi, c'était important d'être en live avec vous ces 3 jours pour vous montrer à quel point ce que j'ai appris et ce que j'enseigne fonctionne et peut transformer votre vie. Donc, j'étais super heureuse de passer ces 3 jours avec vous. Maintenant, encore une fois, pour aller plus loin et plus vite, venez rejoindre l'école. Si vous voulez faire que le développement personnel, vous pouvez aussi choisir de venir dans le niveau 1. Quel est le niveau 1? Vous pouvez absolument. Hello! On se retrouve sur Instagram. Merci, je vais travailler à fond mon mindset. Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup plus que ça. Dans l'école, je vous enseigne vraiment comment les transformer. On va aller encore plus loin parce que ici, je n'ai pas forcément le temps de vous expliquer exactement comment faire ces processus de transformation des croyances. Il faut les maîtriser, il faut les répéter. C'est juste qu'aujourd'hui, ça va être jusqu'à demain minuit, pas plus tard parce que je vais donner du coup le temps à ceux qui ne sont pas en live mais qui regarderont un replay de pouvoir visionner la vidéo. Et après ça, j'enlève les bonus et on ferme. J'ai mes 6 inscrites, hâte de commencer. Youhou, bienvenue. Bienvenue, super heureuse.
Et si j'ai fait deux formations, les deux et trois, contacte-moi dans mon mail contact@claudierantella.com parce que pour tous ceux qui veulent apprendre à devenir coach, donc dans la formation numéro 2, il y a un prix sur l'école. Ok? Mais attention, je n'ai pas beaucoup de place en ce moment pour la formation numéro 2 parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont commencé à réserver. Ok? Donc, juste pour que tu le saches. L'offre de la Business School, ça termine demain minuit, Michel. Est-ce que c'est tout clair pour ce qui concerne la Business School? Est-ce que vous avez vraiment compris comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des questions par rapport au module? Aussi, observez votre mental. Je sais que beaucoup d'entre vous sont là et qui ressentent qu'ils veulent y aller. Vous m'avez écrit, beaucoup d'entre vous sont à Claudia, je veux vraiment rejoindre l'école. Écoutez-vous. Écoutez ce que votre mental vous dit, quels sont les blocages, quelles sont les objections. C'est plus vous apprenez à faire ce travail en général, plus vous allez créer la vie de vos rêves. Mon objectif est de faire partie de ton école. Je vais trouver les moyens financiers pour y accéder. Yeah, mode! Bravo! Tu peux le faire. Tu peux trouver des solutions. Moi aussi, j'ai des clients qui ont vendu des voitures, j'ai des clients qui ont pris un travail alimentaire, des clients qui ont demandé à leurs parents de leur prêter de l'argent. Moi aussi, j'ai demandé de l'argent à mes parents quand j'ai investi avant. J'avais un travail à côté. Quand on veut vraiment transformer notre vie, on trouve des solutions. Et ça, je vous fais complètement confiance. La Business School, c'est le niveau 3? Oui, c'est le niveau 3. Merci, je vais déjà travailler sur ce que j'ai déjà appris ces 3 jours. Ok, super. J'ai fait un retour. Super, Christiane. Merci à tous pour avoir été en live. On se voit dans l'école pour tous ceux qui sont en train de s'inscrire. Je vois déjà des ventes passer. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à contact@claudionatella.com. C'était un grand plaisir de faire ces beaux rencontres et on se voit bientôt. Bye bye! Hello! Bye bye! Bye bye bye!